maintenant, le ministère de l'Éducation nationale a demandé tout directeur départemental ministère pour prendre toute disposition pour appliquer mes issues. D'après prévision, l'ouragan Irma a commencé à frapper Haïti dans 36 à 48 heures dans le cap Benila. C'est précision coordonnateur AI Unité Hydrométéorologie Pays d'Haïti à Ronald en Semelfort. L'été protection civile, la Jerry Chandler fait qu'on ait gagné ensemble les équipes dans l'idée pour capable faire face à la situation. Sous le parle, le ministre intérieur Max Rodolphe Saint-Albin, dit qu'il y a 18 000 agents qui déjà mobilisés à 793 abris identifiés dans 7 départements. Contrairement à ce qui était prévu, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, qui jouait le rôle ministre Affaires sociales AI, n'a pas répondu à l'invitation Commission Affaires sociales dans la République la TFL pour AI Mardia. PM n'a été pris par explication parmi l'autre sous scandale kit scolaire. C'est la tête du pays Chérubin dans bloc appris qui était proposé Roosevelt en Bellevue dans le gouvernement, mandé un bon genre enquête en façon pour y faire lumière sur le dossier ça. Parlementaire exigé tout le monde qui impliqué dans l'affaire répondre question la justice. Séance qui t'a faite à hier mardi à sous pour sénateur au penché sous projet budget 2017-2018 la reporté pour aujourd'hui mercredi à après un pile discussion les sénateurs ouest la Antonio Cherami t'a décidé chirer rapport commission économie et financement d'après lui budget ça pas prend en considération revendication monde qui mal. Il y a plus passé 2000 jeunes qui inscrits pour concours qu'a fait en encadre de formation qu'a administrateur l'État yo jeunes yo a bien pour yo composé 16 à 17 septembre qu'a venu pendant cérémonie passation de ces candidats yo coup dossier candidature yo matin hier matin Madia coordonnateur OMRH là Josieu Pierre lui rappelé c'est seulement 50 moun OMRH à Kembe. Nouveau ambassadeur pays Canada à Salvador qui c'est une après l'autre André Frunet avec Oscar Chavez en Valiente remettre les créanciers à Madia par président République là Jovenel Moïse. Compagnie téléphonie mobile Natcom sous 6e année existence en Haïti responsable compagnie qui dit c'est un bilan positif pour réalisation yo annoncé yo reporté pour moi décembre activité qui était dû marquer 6e anniversaire à cause ouragan Irma. C'est pour ça que divers lots vont faire essentiel journal la Red Bosch n'a pas dans quelques secondes. Nous entrons au journal ça à Réjunior Désir faire mon technique et puis dans le micro c'est moi-même Léon Cœur Civil. Une autre fois encore, un gros bonjour pour nous tous. Bienvenue dans le développement journal là. Ouragan Irma représente une grosse menace pour Haïti et la première fois depuis matin. Il est arrivé et catégorie 5. C'est maximum à l'échelle, sous l'échelle mesure phénomène ça. C'est à partir jeudi et matin, Irma a dû commencer à frapper pays avec un gros vent et puis gros la pluie avec un pile de l'orage. En coup de précision avec Christnette Saint-Georges qui est responsable communication unité hydrométéorologique d'Haïti. Nous avons eu un ouragan qui lui-même changé depuis matin de catégorie 5, qui est la dernière catégorie qui a gagné dans l'échelle Saffir-Simpson. Nous localisons à 290 km à l'est pays Antigua par rapport à Barbade, lui-même situé à 285 km est-sud-est. Vent maximum qu'il a donné, c'est 295 km/h, déplacement lycée ouest à 22 km/h, et puis pression minimale lycée 926 hectopascal. Nous avons tonton puissant ouragan Irma qui nous parlait déjà li nan catégorie 5 qui nan échelle Saffir-Simpson nan et ben li garde toujours même trajectoire ouest là et pendant le déplacer à qui en vitesse 22 km/h et bien Saint Irma nous prévoit li capable affecter partie notre tisantio à partie Astoria mais la garde même caractéristique ouragan majeur ça li même quantité a li a frappé Haïti. Ça qui pral peut être parti nos pays en pral plus affecté et côté nous pral capable sentir présence li à les jeudi vendredi rivé vu analyse trajectoire qui prévoit yo et bien ça pouvait pays d'Haïti li exposé avec gros vent ouragan surtout parti nos pays en mais gros vent tempête yo c'est pour reste département yo gros la pluie gros vent gros l'orage c'est ça nous prévoit qui a passé d'une manière générale jeudi qu'a venir là avec vendredi sous pays d'Haïti côté l'homme à lui-même l'a quitté place côté lié l'a sorti 2 pour arriver jusqu'à 4 mètres côté nord pays a très affecté et y compris tout l'autre côte qui dans pays hein. Et par conséquent, nous gagnons le secrétariat permanent qui a géré des désastres avec l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti, Kembe, pour mardi 5 septembre 2017 l'an à 3h30. Et phase pré-alerte, dans niveau vigilance orange, côté qui gagne la dernière, risque intensité modérée à forte. Gros la pluie, gros vent, gros l'orage qui est capable d'avoir risque inondation et capable de faire la meilleure quitter côté lié à glisser terrain, bah inondation sur tout pays, mais partie qui plus affecté ces régions nord pays.
Officiellement, la population haïtienne a informé et nous demandé de préparer pour attendre toute consigne que nous allons mettre là, qui pourra l'antigène venir appliquer. Tant qu'on pour écouter tout bulletin météo, rester à l'écoute, consigne, autorité locale, mettez en lieu sur tout papier qui est important pour lui, préparer kit, ça a besoin pour le manger parce que le pape qu'a sorti, le pape qu'a voyé, le cyclone n'a pas passé. Pour le préparer, pour évacuer s'il habite dans le bol en mer, bon ravine, bon rivière, dans flambole. Pas essayer de traverser ravine rivière sous aucun prétexte, ni à bourrique, ni à cheval, ni à bicyclette, ni à motocyclette. Sécuriser tout ça, on connaît que vent capable de porter sous passage libre et la pluie capable de mouiller. En cas de gros orage, gros vent, pas le camper ni en papier bois qui boisé, ni en bas fenêtre. Descendre tout ça qui loue dans Galapa la caillou, dans tête la caillou, en quarantaine, en conseil, et tout ça, même ou gagné sous Galaton qui est capable de sauter en l'air, tomber. Au tapot de déclaration, Christnet en Saint-Georges, qui est responsable communication, unité hydrométéorologique d'Haïti. D'après prévision, ouragan Irma a dû commencer à frapper Haïti dans 36 à 48 heures de temps qu'a venu là. C'est précision coordonnateur à unité hydrométéorologique pays d'Haïti, Ronald Semelfort, qui est dans le micro régional d'Aurélus. Dans ce qui concerne le cyclone Irma, bien jusqu'à présent, malheureusement, il est toujours représenté une menace pour Haïti. Irma, c'est un ouragan qu'on est en de catégorie 5. Donc, ça veut dit force vent maximale que vient la dernière, est évalué à 285 km par heure. C'est beaucoup, c'est très très dangereux. Guillaume l'a déplacé à une vitesse 22 km par heure. On y a changé de direction, c'est direction ouest l'a déplacé. Donc avant c'était ouest sud-ouest. Modèle prévoit et pensait que d'ici dans les prochaines 24 à 36 heures peut-être, il est capable de changer une autre direction encore, il est capable de prendre direction ouest-nord-ouest. Pour le moment, c'est direction ouest à 22 km par heure. Côté vitesse de déplacement, ça, il est Kimberly depuis plus de 2 jours. C'est même vitesse là. Donc, comme on dit, nous, tout rayon. Jusqu'à présent, c'est pratiquement tout pays qui est concerné, mais jusqu'à présent, c'est surtout encore plus le Grand Nord. Mais tout reste département concerné. Dans Kassaïo, c'est toujours les trois fonctions d'alerte pour nous préoccuper de. Nous voulons parler de la surveillance d'abord, ensuite la diffusion et finalement la réaction. Ronald Semelfort, gouvernement décrété alerte rouge à partir matin mercredi ça sur tout territoire national là en raison passage ouragan Irma. D'après sa premier ministre Jacques Guy Lafontaine annoncé, il parlait d'un plan d'action qui permet de faire face à toute éventuelle inondation. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Premier ministre là réuni aujourd'hui à gouvernement pour travailler sur situation cyclone Irma qui a avancé sur Haïti. Situation ça ben un pile tête chargé. C'est un cyclone catégorie 5 à gros vent. Gros vent qui allait jusqu'à 275 km/h, mais qui déplaçait tout doucement, l'a déplacé à 20 km/h. Il risque de frapper 5 départements Grand Nord, département Centre, département Latibonite, département Nord-Est, Nord et Nord-Ouest. Mais tout pays en concerné, parce que nous avons l'appui, nous avons risque d'inondation. C'est pour ça, le gouvernement de la République a décidé de lancer plus gros niveau alerte là, alerte rouge, à partir de demain, 8h du matin, sur tout pays. Ma propriété encore, c'est peut-être ça, le gouvernement de la République a décidé de lancer plus gros niveau alerte là, qui c'est alerte rouge, à partir de demain, 8h du matin, sur toute étendue territoire national. Qui genre gouvernement par le travail. Guéon sans commandement qui est établi dans résidence officielle Premier ministre là et sans commandement ça il va le faire sous direction Premier ministre là. Nous avons centre d'opération d'urgence nationale qui c'est Koun bon côté parler qu'a voyé consigne dans toute collectivité délégué à faire coordination action dans département yo avec structure qui là pour ça. Mairie à Kazek yo responsable mener action yo dans commune yo avec la section communale yo avec support protection civile. Ministère planification a supervisé action ONG et organise aide et qui a contact avec le système humanitaire Nations Unies.
au tacou des déclarations premier ministre Jacques Guy Lafontaine à cause passage ouragan Irma porte l'école yo a fermé pour toute 13 semaines non ministre éducation nationale la Pierre Josué Agenor Kadé mandé tout directeur départemental ministère pour prendre bon genre disposition pour appliquer mesi sa yo en côté précision Pierre Josué Agenor Kadé dans micro Lovely Stanley Numa en prévision à passage cyclone Irma qui menace sérieusement Haïti un cyclone qui déjà atteint niveau 5 sous échelle Staffiola, et bien nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, en accord avec le gouvernement, nous décrétons 3 jours congé dans toute l'école publique, tant que non publique, à travers tout le pays, pour mercredi, jeudi et vendredi. Dans l'occasion ça, nous demandons à tout directeur départemental qui a un bon genre de mesure pour faire décision ça appliquer à travers tout le pays. Et en même temps, tout chef d'établissement, pour ne pas dire directeur de l'école, pour protéger l'archivio avec matériel l'école. Beaucoup de pas et directeur protection civile là Jerry Chandler fait qu'on est gagnant ensemble mesi qui prend dans l'idée pour capable faire face à situation pendant souligner ligne d'urgence numéro d'urgence qui disponible c'est 105 sous bord par le ministre intérieur Max Rudolph en Saint-Albin dit gain 18000 agents qui déjà mobilisés avec 793 abris yo identifié dans 7 départements yon après l'autre déclaration Jerry Chandler qui c'est membre DPC direction protection civile et puis ministre Max Rudolph Saint-Albin yo toujours dans micro régional Dorilus. Direction protection civile dans toutes différentes unités que l'IGN à travers pays a mobilisé toutes différentes composantes, que ce soit au niveau départemental, au niveau communal avec mairie et au niveau local avec Kazekio et avec justement équipe intervention brigadier volontaire, ils ont tout campé et ils ont relayé message, ils ont travaillé avec la population pour nous déjà commencer à accompagner dans la communication. Nous avons travaillé tout pour nous capables de gagner des moyens technologiques pour nous capables d'assurer la communication. Là, nous sommes en réunion avec Conatel et avec opérateur téléphone et avec directeur de médias pour nous capables de gagner la population informée pendant le passage ouragan et même après. Zone que l'Ibra a impacté Pifoyo, c'est nord, nord-ouest, avec nord-est, avec certainement Ouattibonite et Plateau Central. Nous, actuellement, là, sur le point d'activer un centre d'appel, et numéro à profiter diffusé, c'est 105. L'Ibra a mis à la disposition, non seulement de la presse, mais aussi de la population, pour être capable de rapporter problèmes ou incidents. Plus, passer 18 000 personnels déjà mobilisés sur question cyclone Irma qui a privé là, sur nous. Là-dedans, il y a plus, passer 10 000 volontaires. Croix Rouge. Il y a plus de 6 000 volontaires brigadiers protection civile et qui déjà parés sous terrain pour y agir. Sans pas citer agent PNH avec militaire corps du génie qui a certainement mobilisé sous question. Donc en réalité, il y a moyen au pape jamais assez. Même cadeau que depuis hier, nous passons instruction au niveau de direction collectivité territoriale dans le ministère intérieur pour que tout mairie qui est dans la zone côtière joint en allocation vite et pressée dès aujourd'hui même pour première action le lot de 200 à 300 000 gouttes. Pour l'instant, nous gagnons dans 7 départements. Avec précision, nous avons 793 abris provisoires qui sont identifiés. Dans 3 départements, Grandance, Nip avec Sud, côté face à passage Mathieu, tu as un pile d'abris qui est écrasé, qui a préparé. Donc, nous n'avons pas information avec toute précision. Ça. Même cadeau que dans les prochaines heures, nous avons précision, nombre total d'abris provisoires qui mobilisés, qui disponibles. Dans le cadre. Ministre en planification et coopération externe qui encourage la population à respecter consignes autorité yo établi par les lieux rencontre hier matin avec majorité ONG l'État reconnaît yo qui na environ qui 370 limandeo pour agir sur le leadership gouvernement et pour bailler toute information possible sur stock yo gagné stock produit yo gagné dans perspective en gestion toute situation humanitaire qui capable lié avec passage cyclone Irma à viol fleurant. Haïti, c'est un pays qui a une trajectoire cyclonique, qui a une base sismique. Haïti exposé à risque naturel et aléa climatique. Chaque Haïtien invité pour attendre consigne gouvernement, consigne protection civile, consigne cap sorti dans le centre d'opération d'urgence nationale. Dans le premier ministre d'Andil là, nous-mêmes comme ministre planification, nous là pour nous faire vis-à-vis avec coopérants, système humain.
humanité à Nations Unies, avec les ambassadeurs, le cas échéant, dans le cadre de solidarité internationale, dans le cadre de gestion post-désastre, nous pas souhaiter d'allouer des désastres, pour nous capables de demander pour lever, déclencher système interaméricain de protection civile ou système européen de protection civile. Dans ce sens, ministère de planification, sous instruction président Périan, sous instruction premier ministre, déjà Chita, avec majorité 370 ONG que nous reconnaissons dans le pays. Nous faisons rencontre ça matin, nous demandons chaque, nous renouvelons d'abord confiance gouvernement dans l'ONG, ça que nous conservons reconnaissance. Et nous demandons pour agir sous leadership gouvernement, pour donner des consignes, pour bail premier ministre, ministre planification, ministre intérieur, délégué départemental, toute information que vous gagnez par rapport à stock produit de tout ça qui prend au service de la population. Et nous demandons une coordination activité ONG en région suivant principe commandant chef là qui c'est président pays et suivant principe commandant gouvernement qui c'est premier ministre. Ou ta côté déclaration ministre en planification à coopération externe à Viola Fleurant. Député Mirbalea Abel Décolline exprimait être chargé le gagner quant à passage à un éventuel ouragan Irma sous pays. Parlementaire a dit l'espérer, il y a toute disposition qui prend bon côté gouvernement pour limiter des gaillots, demander responsables pour pas contenter seulement pour faire annonce, mais pour commencer faire une véritable campagne de sensibilisation bon côté population avec implication autorité locale. Député Abel Décolline. Par rapport à éventualité ouragan Irma qui annonçait sous Haïti comme député du peuple représentant de la circonscription de Mirbalais, nous voulons exprimer préoccupation nous. Nous souhaitons que toute disposition prend généralement quelconque en termes de prévention pour éviter si d'aventure ouragan l'a frappé paysan pour permettre à ce que gagner moins de dégâts, moins de victimes possibles. En ce sens, nous avons lancé appel avec le pouvoir exécutif, avec le gouvernement, pour que yo pas contenté yo comme par le passé dans des effets d'annonce, pour que véritablement gagnent de dispositions qui prend à tous les niveaux. Et nous dit pour yo pas contenté yo des effets d'annonce, parce que c'est ça nous constater et information qui arrive joindre nous voit que gouvernement à date à ce jour, ce n'est que des effets d'annonce, puisque quand il est question de cyclone, quand il est question de catastrophe naturelle, payant gagné plus de 500 sections communales, plus de 140 communes, au total 148 communes. Il est vrai que les annonces à travers les médias sont importantes, mais elles sont tout aussi importantes et plus importantes même pour que les autorités locales, qu'il s'agisse de AZEC, de CAZEC, de Moun qui dans de l'autre structure, même dans les écoles, même dans les églises, pour que tu aies gagné de contact direct. Alors que le gouvernement de la République, à travers de sorties médiatiques, a lancé de messages de prévention, mais avec de CAZEC, avec de AZEC que nous parler à travers le pays en général, mais en particulier dans le département du centre à côté nous soutient, ni CAZEC Sayo, ni AZEC Sayo, ni de responsables de cellules au niveau de section communale en termes de protection civile, ils n'ont pas gagné aucun appel, pas gagné aucune rencontre, pas gagné aucun moyen matériel qui rive joigno dans l'éventualité que ouragan a passé pour que yo ta volé au secours de population. Au tacou de déclaration, député Mirbalea Abel Décolline. L'autre nouvelle, contrairement à ce qui était prévu, Premier ministre Jacques Guilafontaine, qui joue rôle ministre Affaires sociales AI, pas de répondre à l'invitation Commission Affaires sociales dans le Sénat République là, et une invitation Commission TFL pour aujourd'hui, mardi, PM qui expliquait, il est comblé dans la préparation pour ouragan et Irma, t'as dédoué une baille explication sur le scandale kit scolaire. Président Commission Sénat de l'Ouest là, Antonio Charami, annoncé, il va le voyer, il y a l'autre
sans invitation par le Premier ministre après passage cyclone, sénateur Antonio Cherami. Nous avons fait une séance de travail avec le ministre des Affaires sociales là, et qui était doué accompagné de ONATO. Je rencontre ça, il est arrivé pas qu'à fête. Le ministre a écrit nous matin là pour annoncer nous que le pas qu'à venir en parlant de Jacques Guy Lafontaine, ministre AI, Affaires sociales AI. Et rencontre ça, était doué chita sous qui ça? Sous contractuel, nous connaissons l'école ouvrière qui est en difficulté, qui était doué toucher jusqu'à présent. Nous connaissons le ministre n'est pas là et nous devons garder avec qui disposition que lui-même lui prend pour accompagner Mounsa pour payer Mounsa. Nous devons garder avec tout ensemble de promesses qui étaient faites à ouvriers. Nous devons accompagner pour rentrer l'école là. Nous devons garder dans quelle phase liée est-ce que effectivement l'a pas accompagné Mounsa? Est-ce que vous commencez déjà et dans quel point vous êtes? Nous devons garder tout. Après rapport CSS là, nous avons ensemble de appels que nous avons, nous avons ensemble de lettres que nous avons ensemble de travailler à vous et bah nous. Différentes institutions côté mon a travaillé au mon dit yo poko ajuster salaire nous te voulons garder à ministre pour nous au niveau direction travail qui rapidité que yo même yo ka mettre dans démarche ça pour permettre que ajustement salaire fait pour mon yo vraiment li vini dans poche parce que nous pas voulons arrêter à sortir li publier et puis qu'on y a pour mon yo ça qui devine dans mer pas vienne dans mer mais li ba yon raison moi estime qui valable raison c'est qui ça li dit que à cause de cyclone qui a venir li ensemble de préoccupations, li di li pa ka vini jodi an, j'aime toujours dire nous très patients. N'a pas fait invitation encore parce que nous avons ensemble de données. Par exemple, tout le monde connaît dossier kit scolaire, c'est pour un dossier nous ka quitter traîner parce que li clair que population a des moyens qui étaient disposés pour joindre ensemble d'accompagnement pour ouverture des classes là qui gagoté et nous connaît et yo révoqué ministre et affaires sociales là. Ça veut dire si révocation ministre des Affaires sociales l'a fait, bon ensemble de documents, nous-mêmes au niveau commission des Affaires sociales, faut nous gagner non seulement et quantité d'argent qui était dans le ministre pour le faire projet A, et faut nous gagner tout vendeur de services là, faut nous garder qui quantité des autres que lui-même lui fait parce que nous apprendre lui rentrer au niveau finance et débloquer COB sans pour qu'on gagne qui baille, sans pour qu'on gagne matériel qui acheté qui baille, tout COB monsieur qui est en main, faut nous connaître au niveau finance. Est-ce que le ministre des Affaires sociales là, t'es bon travail, il t'a fait ensemble avec le ministre des Finances là, pour qu'il te permette que comme ça au débloqué, nous pas dans vos remontées, mais nous t'avons gagné toute information ça aujourd'hui. Hein. N'a rapidement relancer invitation après cyclone là parce que nous connaît non seulement nous pas pour nous poser des problèmes de l'autre bagarre qui a bien pour venir que nous pas connaît et m'te veut garder tout monde qui sous place publique qui gagne pile temps ça l'école ouvri qui pas qu'à toucher m'te veut connaît est-ce que au niveau affaires sociales dans bureau travail yo pas qu'à garder comment monde ça yo ka mettre au marché pressé pour monde ça yo toucher. Au tacou des déclarations, sénateur Roisla Antonio Cherami. Sénateur Diopi Cherubin, dans le bloc appris, qui était proposé Roosevelt en Bellevue, dans le gouvernement, demandé pour un bon genre enquête, une façon pour arriver à faire lumière sur le dossier ça. Parlementaire exigé pour tout le monde qui est impliqué dans affaires ça, répondre question à la justice, Diopi Cherubin. Ma profite occasion ça, je dis, pour saluer détermination gouvernement pour lutter contre la corruption. Si un chef d'État en Haïti, qu'a seulement pour un courage pour le nommer, pour citer mot corruption en Haïti et pour dire la combattre li, nous ka comprendre qui courage li gagne et nous ka comprendre qui responsabilité li gagne. Évidemment, il n'y a pas un secret pour personne monde que le ministre des Affaires sociales là, c'est proche sénateur Diopi Cherubin, qui est un groupe sénateur tout, qui mettait ensemble nous proposer. Nous endosser responsabilité ça je dis. Pour vu que gagne pile doute qui plane sur ça qui rivait, sur Jean Rivière. Est-ce une administration qui a gagné corrompu? Est-ce que yon ministre lui-même qui a signé, décaissé, encaissé? Est-ce que pas gagné des signatures qui pour doué bail? Est-ce que pas gagné l'autre côté où doué aller? Nous dit que gagne pile doute qui plane et tout le monde qui a fait analyse sérieux, comment se poser tête aux questions sous sa capacité. C'est ça que fait, je dis, moi-même, sénateur Diopi Cherubin, mandaté du peuple, moi prends décision ça pour dire, nous souhaitons et nous voulons, nous avons exigé que l'ULCC, UCREF, la justice, prenne décision pour diligenter enquête sérieuse. Et cette fois-ci, pas enquête qui va le retenir, tu vois, mais enquête qui va le faire pour faire lumière sur le dossier et que tout le monde qui est impliqué doit paraître devant la justice et que procès ça nous va révéler le procès de l'année. Le procès du siècle, peut-être le point de départ
de cette nouvelle Haïti tant souhaitée et tant espérée. On bagaille qu'à formal, mais si la fait bien en plus grand nombre, c'est pour accepter le formal, accepter souffrir, mais pour une nouvelle Haïti que tout le monde, d'un commun accord, réclame justice. Moi-même, je vais chercher information et m'a partagé information et m'a pris responsabilité, non pas en tant que proche. On m'a mouru déjà, on m'a mouru déjà. Je souffris et après je finis souffrir et aller au patounet. Comme président, comme gouvernement, je voulais combattre la corruption. Allons, il faut combattre la corruption, mais seulement pas de complicité en combattant cette corruption. Je pense qu'il y a un ministre qui est impliqué dans le scandale. Ça, c'est notre... Gagné ULCC, gagné UCREF, gagné la justice et gagné commission d'enquête qui a fait au niveau du Parlement yo, pour yo faire vérité. Il y a un monde, même dans la justice, si vous avez petit tout paraître devant, ou même madame qui implique dans le bagaille, bien courage pour dire que c'est pas vous qui avez jugé. Parce que nous tous, nous sommes sentimentales. Nous avons un degré de sentiment qui a traversé nous. Si nous avons des ministres là, ils disent lui-même qu'ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas faire contrat avec aucun film. Ils ne peuvent pas connaître rien. Ici, c'est vrai. Parce qu'ils disent tout le bagaille conforme. Et puis, nous avons des tout le deal. Ils ont pu le faire, ils veulent débloquer, ils ne sont pas capables de bloquer. Il va quand même payer les gens qui travaillent à côté. À déblocage à fait de façon qui fait les gens poser des questions. Nous dit que nous n'avons pas de responsabilité pour nous condamner ni pour nous justifier. Vision de bien droit suivant, nouvelle site, nouvelle autre bord. Bienvenue dans la deuxième partie journal là. C'est Yann Sang qui t'a fait hier mardi à côté sénateur au titre, penché sur projet budget 2017-2018 là, reporté pour jeudi mercredi à, après un peu de discussion, les sénateurs l'Ouest là, Antonio Cheramé, a décidé de chirer rapport aux commissions économiques et finances là, t'es présenté hier. D'après lui, budget ça pas, prend en considération revendication monde qui pis malio, en suivre comment ça t'est. Voilà, c'est comment nous suivions extrait comment ça a été hier dans la séance là à Yemadia, côté et sénateur au titre, voté projet budget 2017-2018 là, une séance qui est reportée après un pile discussion, les sénateurs Ouest là, Antonio Cherami, était monté en ce tribunal, il était chiré rapport commission économie et finance là, était présenté par l'Assemblée. L'autre nouvelle, président commission éducation dans la Chambre des députés, Aketel Jean-Philippe, estimé rentrer l'école là, fait encore dans un moment difficile pour Anéa. Pas d'après lui-même, il y a quelques mesures gouvernement prend, mais qui pas permis et qui pas à baisser situation difficile par Rayo en côté et qui tel Jean-Philippe. Mais bon, c'est que c'est une entrée difficile. Ouais, c'est timidement, timidement à l'école. Et même s'il y a des mesures qui prennent, mais il n'y a pas arrivé à résoudre l'ensemble des problèmes que le système n'a été capable de faciliter par un pour voir timidement l'école. D'abord, une question, c'est que ouais, situation socio-économique très difficile. Côté mon pas un corps qui a viré la pays après, donc mon pas de travail. Je pensais que le gouvernement était capable d'injecter de l'argent, permettre que mon fait des cash forex ou bien permettre que mon gagne des moyens dans mes qui te permettre de faire uniforme. Et puis l'école pour Timon. D'abord, dans toute décision qui était annoncée, une décision qui va être plus problème de question subvention livre là. D'abord, subvention arrivée trop tard, l'éditeur dit qu'il n'y a pas de temps pour préparer les livres sur le marché. Donc, tous les livres qui sont sur le marché à Ronda, c'est des livres qui sont très chers. On va voir que les livres vont être disponibles à partir de novembre, décembre. Les SAR, par exemple, vont besoin de livres là encore.
La séance de travail nous avons avec le ministre de l'Éducation, un peu les collègues et moi-même qui proposé le ministre là. Travail pour année ça, sur le dossier ça. L'année prochaine, nous n'avons pas besoin de subventionner les livres, dépenser 600 millions de gouttes pour subventionner les livres. De préférence, l'État a acheté les livres, mettez-les dans l'école publique ou privée. Et là, ça, il a prêté les livres là pour année là. Et les parents prennent engagement si les livres ont déchiré les livres là pour les parents acheter les livres là. L'année prochaine, l'autre élève est capable d'utiliser les livres là. Donc, je pense que l'État est capable de gagner plus d'avantages s'il fait dans un système comme ça. Et ensuite, et l'école publique, il y a un peu là de paquet à finir par vraiment et véritablement pour que recevoir Timounio. Il y a des efforts à faire, mais nous-mêmes nous comprenons que faut que l'école a été ouverte parce que 194 jours de classe, nous allons arriver à 200 jours et nous avons ensemble de l'autre inconvénient qui a venu et Timounio nous avons ensemble de bagages pour apprendre. Mais je pense que c'est difficile, mais nous devons ouvrir l'école là, c'est une obligation de gagner pour ça. Qu'est-ce Jean-Philippe, ici président de commission éducation dans la chambre députée. L'autre nouvelle, il y a plus de 2000 jeunes qui inscrits pour concours qu'a fait dans le cadre de formation co-administrateur l'État. Jeunes yo a bien pour yo composé 16 à 17 septembre qu'a venu pendant la cérémonie passation dossier candidature à hier matin. Coordonnateur OMRH là, Josué Pierre lui rappelé, c'est seulement 50 monde OMRH a kembe Marie-André Bélange. Il y a un concours national dans l'idée pour recruter jeunes qui doivent venir former co-administrateur l'État. C'est première fois sa fête en administration publique haïtienne, non, d'après coordonnateur général, Office Management à Kosouzimen. D'après Josué Pierre-Louis, 50 candidats à Pkembe sur 2182 qui inscrits ont affecté parmi l'autre dans poste direction. 50 jeunes, qu'on nous dit qu'ils sont pour d'excellence, ce sont des jeunes qui pourraient intégrer l'administration publique, qui pourraient faire partie de catégorie A. Ça veut dire que catégorie A sont des gens qui pourraient dans des missions, des postes de direction, de conception, d'élaboration, donc qui pourraient pour la plupart des directeurs, des assistants directeurs. C'est comme ça que nous allons nommer et qui pourraient constituer le corps d'administrateur. Non sa gen pou wè ak konkoua, se mòb jiria ki responsab kesyon sa. Yo genyen jiska 3 oktob kap vini la pou mete bout nan prosesus si la. Alain Gilles, c'est président Jiria. Après que M. Fini étudier pour essayer de répondre à critères qui débattent, le cas pour les candidatures, par exemple, est-ce que vous avez une licence, est-ce que vous répondez aux critères d'âge, il y a bien maintenant pour passer des épreuves écrites. Les épreuves écrites là maintenant, il y a trois parties là-dedans. Il y a une épreuve de culture générale, il y a une épreuve qui a composé de plusieurs matières, dont droit, économie et sciences sociales de manière générale. Ce sont ensemble de questions à choix multiples qu'a proposé à un candidat pour être capable de répondre dans les disciplines de la plus dans l'autre épreuve qui est les notes de synthèse. D'après le coordonnateur général OMRH, la démarche recrute jeunes sous base mérite visait non seulement rajeunir, mais tout rendre l'administration publique haïtienne non plus performant et plus efficace. Josué Pierre-Louis. Une condition, c'est pour nous capables d'avoir une administration publique performante, une administration publique efficace, une administration publique d'excellence. Et pour nous arriver à une administration publique d'excellence, il faut que nous privilégions la méritocratie. Concours Silad est fait 16 à 17 septembre à Vinila, une rentrée officielle. 50 jeunes prévoient fait première semaine, mois novembre, à Nessa. Marie-André Bélange, Vision 2000. Il fallait pour nous rappeler au point de nous développer, on va nous mettre bout dans la troisième sortie nouvelle ici, nouvelle autre bonne semaine. Le gouvernement décrété alerte rouge sur tout le pays à partir de jeudi mercredi à cause du passage ouragan Irma. Dans ce sens, porte l'école a fermé pour toute reste semaine. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé tout directeur départemental ministère pour prendre bonne disposition pour appliquer mes isayos. D'après prévision, ouragan Irma a commencé à frapper Haïti dans 36 à 48 heures de temps qu'à venir là. C'est prévision coordonnée à l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti, Ronald, en semaine fort. Le directeur de protection civile, la Jerry Chandler, fait qu'on ait gagné ensemble mes équipements dans l'idée pour capable faire face à la situation. Sous bol par la ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin dit, il y a 18 000 agents qui déjà mobilisés à 793 abris identifiés dans 7 départements. Contrairement à ça qui était pris froid pour le ministre Jacques Guilafontaine, qui joue rôle ministre Affaires sociales à I, pas répondre à l'invitation commission Affaires sociales de la République là à Yemadia, Pierre Napé de Vinba explication sur parmi l'autre scandale kit scolaire. Et sénateur Dieu Pichérubin dans bloc appris fait qu'on ait été dans bloc appris qui était proposé Roosevelt en Bellevue dans le gouvernement, mandé un bon genre enquête en une façon pour arriver faire lumière sur dossier ça. Parlementaire exigé pour tout le monde qui impliqué dans affaire ça répondre question la justice. Séance qui est faite à Yemadia côté sénateur au pied penché ce projet budget 2017-2018 a reporté pour jeudi mercredi. Après un peu de discussion, le sénateur Rosla Antonio Cherami décide de chirer rapport commission économie à finance.
finances santé présenté par l'Assemblée A. D'après lui, budget ça pas prend en considération revendication monde qui pis mal. Il y a plus passé 2000 jeunes qui inscrivent pour concours qui fait en cadre formation co-administrateur l'État. Jeunes yo a bien pu composer 16 à 17 en septembre qui venir pendant la cérémonie passation dossier candidature à Yemadia, coordonnateur OMRH là Josué Pierre lui rappeler c'est seulement 50 monde OMRH à Kembe. Nouveau ambassadeur pays Canada à Salvador qui s'est après l'autre André Fouinette à Oscar Chavez à Valiente remettre les créanciers à Yemadia par le président République là Jovenel Moïse. Compagnie téléphonie mobile Natcom sous 6e année existence li en Haïti, responsable compagnie a qui dressé un bilan positif pour réalisation yo annoncé y aurait porté pour mois décembre cap venir activité qui était dû marquer 6e anniversaire à cause ouragan Ima. C'est point ça avec diverses sortes qui étaient essentiel journal nouvelle ici nouvelle autre bord pour ce troisième soutien pour ce maintenant. Merci pour écoute ou attention, restez branché Radio Vision 2000 dans un petit instant encore ou va bien reprise des amis de la prière avec Evelyne et puis tout de suite après c'est pour la journal français Infovision avec Marie Lucie Bonhomme Popon et puis Ineo Charisma pour te présenter au journal ça à Réunion Désir d'après mon technique et puis pour te présenter aux principales informations c'était Léon Kersiville. Bonjour Harry, bonjour tout le monde.